Bonjour, je remercie tous les organisateurs de cette journée médicale en santé au travail à INTE Mouchent pour leur invitation et je vais vous présenter l'expérience de la Société algérienne de médecine du travail dans la formation médicale continue en ligne. La Société algérienne de médecine du travail, SANT, est une association à caractère scientifique national agréée en 2011. Elle a pour but essentiellement la promotion de la santé au travail, l'organisation des rencontres scientifiques, la promotion et la formation continue des médecins et le développement et l'encadrement d'études scientifiques. Sur son site web santalgérie.com, la SANT offre de nombreuses ressources, dont l'accès au bulletin, à la revue, l'adhésion, des recueils de textes et aussi un accès à toutes les formations médicales continues qu'elle assure. La formation médicale continue est un des axes importants de l'activité de notre association. Traditionnellement, cette formation s'est effectuée dans le cadre des Journées nationales de médecine du travail ou à l'occasion des Journées régionales. Compte tenu du contexte épidémique, l'année dernière, la SANT a initié une première formation en ligne, e-learning, dans le cadre d'un symposium sur le Covid. Cette année, au mois de février, la SANT a initié une formation en hygiène industrielle. C'est quoi le e-learning? La formation en ligne ou encore l'apprentissage en ligne, le formation ou le learning désigne l'ensemble des solutions et moyens permettant l'apprentissage par des moyens électroniques. Le e-learning permet aux apprenants de s'entraîner à l'issue des sessions présentielles ou à la place de celles-ci et présente de nombreux avantages. Parmi les nombreux avantages du e-learning, nous pouvons citer la flexibilité d'apprentissage, l'apprenant choisit lui-même le lieu et le moment pour se former, les investissements en formation sont rentabilisés et pérennisés. Un seul logiciel complet, une plateforme, permet de regrouper plusieurs modules en un seul. En effet, il peut s'agir d'un outil d'accompagnement pour le formateur, d'entraînement pour l'apprenant et d'évaluation pour le manager. Le learning permet de faire face à des situations proches de la réalité grâce à la simulation en trois dimensions, 3D. Ceci représente un atout majeur. Les apprenants peuvent s'entraîner et se perfectionner. Le learning permet aussi d'adapter et de faire évoluer les contenus pour une meilleure pertinence et efficacité de la formation. Enfin, l'apprenant est un acteur à part entière dans le processus de formation. Il est actif plutôt que passif. Ceci permet un meilleur apprentissage et implique directement l'apprenant. Martin Dujamas, fondateur de Moodle, qui est une plateforme open source de formation en ligne, affiche toujours ces cinq principes concernant le e-learning dans ses présentations. En premier lieu, nous sommes tous des enseignants potentiels, autant que des apprenants. Dans un environnement réellement collaboratif, nous sommes les deux. Second principe, nous apprenons particulièrement bien en créant ou en exprimant quelque chose à l'attention d'autres personnes. Troisième principe, nous apprenons beaucoup simplement en observant l'activité de nos pairs. Quatrième principe, en comprenant le contexte des autres, on peut enseigner d'une manière plus transformationnelle, c'est le constructivisme. Et cinquième principe, un environnement d'apprentissage doit être flexible et adaptable afin de répondre rapidement aux différents besoins de ses utilisateurs. Dans le e-learning, il existe plusieurs approches, mais quelle que soit l'approche que l'on choisit, il faut prendre en considération deux choses. Quels sont les objectifs d'apprentissage et comment peut-on aider les apprenants à les atteindre? Pour réussir une formation en ligne, il faudra diffuser un contenu pertinent, adapté et attractif. Mais le plus grand des challenges sera de réussir à impliquer les apprenants, à les évaluer, à les responsabiliser, à les orienter et à les motiver. Pour sa formation en ligne, la SANT utilise Moodle, qui est une plateforme e-learning open source et gratuite que beaucoup d'universités et d'institutions dans le monde utilisent. Et pour diffuser du contenu,
Moodle offre des ressources qui permettent aux apprenants de consulter des dossiers, des fichiers, des livres, des pages, et de consulter des ressources externes sous forme donc de liens URL et des étiquettes pour agrémenter la présentation des pages de cours. Les activités de Moodle permettent d'impliquer, d'évaluer, de responsabiliser, d'orienter et de motiver les apprenants. C'est ainsi que Moodle offre la possibilité d'organiser des ateliers, un travail collaboratif sur des bases de données, des devoirs pour l'évaluation, des forums pour les échanges, la possibilité de faire des tests qui sont corrigés automatiquement et ainsi de suite. Nous allons voir ensemble le site Moodle e-learning de la SAM. L'apprenant va avoir cette page d'accueil. Il devra se connecter, son identifiant et son mot de passe. Il accède à son tableau de bord où il pourra voir tous les cours auxquels il a eu accès. Ici, à l'accueil du site, nous avons l'ensemble des cours qui sont disponibles et que nous pouvons voir, donc avec les revues, la base de données, puis les espaces du bureau, du conseil scientifique, des adhérents et les différentes journées nationales de médecine du travail avec leurs ressources ainsi que les mémoires. Maintenant, je vais présenter le cours en ligne Hygiène industrielle. La page de cours du participant se partage en trois colonnes. Dans la colonne de gauche, il existe un navigateur dans lequel il pourra consulter un certain nombre de rubriques. À droite, il y a un certain nombre de blocs qui lui donnent des informations. Nous y reviendrons. Et au centre, vous avez le contenu du cours tel qu'il a été conçu par les formateurs. Toutes les pages de cours commencent par une section générale dans laquelle nous avons un forum où l'enseignant, le modérateur, peut publier des annonces. Alors, ces annonces se font régulièrement à chaque fois qu'il y a de nouvelles actes ou que de nouvelles sections sont ouvertes. Ici, nous avons le participant a un fil d'Ariane et il peut revenir à chaque fois à la page précédente. Il est important dès le départ d'expliciter les objectifs et les attendus du cours. C'est ce que nous avions donc prévu. Voilà un exemple de livre avec une table des matières. Nous avons les objectifs de ce cours industriel. Donc la démarche participative de prévention au milieu de travail, la démarche de prévention des effets du bruit au milieu de travail, des effets d'un mauvais éclairage, d'une ambiance chaude, des vibrations en milieu de travail et des effets des rayonnements ionisants. Les attendus du cours. Alors, à la fin de ce cours, les participants seront capables d'organiser une démarche de prévention participative, dépister, observer, analyser l'origine des risques en rapport avec les ambiances sonores, thermiques, lumineuses, vibrations et rayonnements ionisants. Et enfin, identifier et contribuer à l'implantation des mesures préventives en rapport avec ces risques. Ici, nous avons comment le cours est organisé. Le cours est présenté ainsi. Vous avez des visioconférences qui sont faites régulièrement, une fois par semaine, et puis les différentes composantes du cours. L'achèvement et l'évaluation, il y a des activités requises, et pour achever et évaluer l'ensemble de son cours, le participant devra réaliser toutes les activités, toutes les ressources requises. Enfin, il y a un certificat qui est délivré, nous y reviendrons. Toujours dans la section générale, il y a un forum dans lequel les participants peuvent discuter entre eux et avec le modérateur sur l'ensemble du cours. Et vous voyez qu'ici, il y a une participation assez collaborative entre les participants. Un sondage avant de commencer sur les attentes des participants quant à ce cours. Une auto-évaluation sur ce qu'ils savent du contenu de ce cours avant de commencer. Une vidéo, première visioconférence qui explique comment travailler. Et puis, vous avez les différentes sections qui se succèdent. La stratégie Sauban, les grands principes. Le projet de dépistage, qui est important. Les étudiants auront un projet à déposer à la fin de leur formation. Il s'agit d'un dépistage des risques qui est fait sur un atelier, concrètement, avec la participation des salariés et la direction. Et le participant va mettre en ligne son cours. Il y a un forum de discussion sur le projet et l'atelier est remis ici. Il y a une phase de remise, une phase d'évaluation et une phase de clôture. Dans la phase de remise, c'est la période dans laquelle le participant pourra déposer son projet. La phase d'évaluation, c'est les participants eux-mêmes
qui vont s'auto-évaluer. Automatiquement, le système va attribuer un certain nombre de projets à chaque participant qui a remis son projet et il aura à les évaluer suivant une grille de correction. Ensuite, nous avons au fur et à mesure les différentes ambiances, par exemple l'ambiance sonore. Il y a toujours, avant de commencer, il y a des objectifs qui sont spécifiques à cette section, avec les tâches requises et ce qu'ils doivent consulter. Après avoir vu les objectifs, les ressources, nous avons ici un livre avec un niveau d'observation. Il y a une table de matière, la procédure, les rapports d'études d'observation. Chaque participant devra consulter l'ensemble de ce livre pour que cette activité soit valide. Et il y a un test, un exemple de test ici. Alors ces tests, ces quiz sont corrigés automatiquement. Alors on peut démarrer une tentative et là nous avons un exemple de test qui est à la fin terminé et qui sera évalué automatiquement. Voilà, niveau donc d'analyse, le niveau expertise. Ici il y a un lien URL vers une ressource externe. Le participant pourra télécharger un certain nombre de fiches d'aide qui vont lui permettre de mieux appréhender le bruit dans le cadre de la démarche SOBAN. Alors ici, c'est un forum qui est en même temps évalué, discussion sur les normes et les ambiances sonores. Il est demandé de faire des recherches sur les normes en matière d'ambiance sonore. Et il y a un devoir, ici c'est un devoir, avec un contenu et les participants remettent leurs devoirs. Les devoirs sont évalués par l'enseignant. Et enfin, il y a une visioconférence qui est faite avec le modérateur. Ici, c'est l'enregistrement de cette visioconférence. Vous voyez que l'approche est une approche donc collaborative qui implique les participants. Ils ont à faire des devoirs, à participer à un forum, à faire des tests. Donc, c'est interactif. Et en même temps, il y a un atelier où ils peuvent donc s'auto-évaluer. Et c'est à travers ces activités que le participant va apprendre et retenir et mémoriser les éléments essentiels du facteur de risque ambiance sonore en milieu de travail. Alors c'est le même déroulement pour les autres ambiances. À la fin, nous avons un feedback. Ici, c'est un sondage. À la fin de ce cours, dites-nous à quel point, selon vous, ce cours vous a-t-il été utile. Et ici, c'est des questionnaires qui sont validés. À la fin, le participant pourra télécharger son certificat. Il porte le nom et le prénom du participant qu'il a obtenu, avec la date de l'obtention. Il est signé par le formateur et le président du conseil scientifique de la SENT. Chaque certificat a un code chiffré et un code QR. Il est unique. Avec ce code, les institutions peuvent vérifier l'authenticité de ce certificat. À gauche, nous avons les différents blocs. Un bloc qui stimule la progression et motive les participants. Les éléments à venir, c'est donc toutes les activités qui sont les quiz à faire avec les délais, etc. Les sondages auxquels il faut répondre. Donc c'est un calendrier. Les annonces qui sont faites par le modérateur. Ici, c'est les entrées qui sont faites par les participants dans le cadre de la construction en commun d'un dictionnaire sur l'hygiène industrielle. Et nous voyons l'utilisateur connecté. Le participant pourra recevoir des notifications et envoyer et recevoir des messages. Voilà présenté succinctement le cours en hygiène industrielle. Vous voyez que tous les outils dont nous avons parlé pour le e-learning sont présents et il s'agira donc à travers les évaluations pour l'enseignant de les adapter et de les faire évoluer au fur et à mesure. Ce qui est important et intéressant ici, c'est que ce cours est disponible sur plusieurs années et pourra donc évoluer en fonction des nouvelles données, des nouvelles connaissances, du contexte donc de l'apprenant, etc. Voilà un des cours. Moodle offre plusieurs outils d'évaluation. Ici, je vous présente un sondage effectué auprès de la première session de cette formation en ligne sur l'hygiène industrielle offerte par la SAM. Dans ce sondage, la question qui est posée, c'est à la fin de ce cours, dites-nous à quel point, selon vous, ce cours vous a-t-il été utile? Et c'est ainsi que nous voyons que la majorité des participants ont trouver ce cours extrêmement utile et tout à fait utile. Je vous ai présenté la formation en ligne développée par la Société algérienne de médecine du travail, en particulier le cours en ligne sur la formation en hygiène industrielle. D'autres formations sont prévues dans notre programme. Je vous remercie pour votre attention. Vous avez ici les coordonnées de la Société algérienne de médecine du travail.